Bonjour à tous et à toutes. C'est ce bon vieux Kéké. Mais que s'est-il passé? Il semblerait que cette ignoble Olivia Pierce a ouvert un portail sur l'enfer et on s'y retrouve. Téléporté pour le stage 6. À l'issue de cette vidéo, nous aurons parcouru la moitié du jeu. On aura vu aussi quasiment tout le bestiaire. Puis j'ai envie de dire qu'après ça, les 6 prochains niveaux s'enchaîneront assez vite. Enfin, quand vous êtes pris dans l'aventure, hein. Pas quand vous jouez en cauchemar comme moi et que vous mourrez tout le temps. Et que du coup, ça en fera un jeu assez court. Et ce qui est pas mal. Je trouve la durée de vie est bien. Je suis là. Donc ouais, le stage. Ça change tout de suite, hein, niveau ambiance. Nous allons installer l'appareil dimensionnel dans le tombeau. Utilisez les perches lumineuses pour baliser le chemin. Une fois n'est pas coutume, le jeu nous indique le chemin. Hein. Il va falloir suivre ces balises vertes. Hop, merci. M'avoir aidé, eh oh. À amortir ma chute. Déjà mort. Voilà, donc là je me baisse, je mets à sa droite, donc à ma gauche, et je fais un glory kill, ce qui me permet de commencer le défi. Ça me fait une belle jambe. Paraît-il que l'avenir appartient aux audacieux. Pas à toi en tout cas. Je crois que c'est un secret là. Voilà. Notez que c'est le stage qui a on pourra trouver un invocateur, enfin une invocatrice, je sais plus, qui fera apparaître des chevaliers de l'enfer. Faut même se cacher dans la carcasse du Monkey Bus. J'ai pas révisé où se trouvent les secrets par contre. Oula. Pousse.
Ah mais je meurs vite, c'est pas possible. Donc c'était l'autre gauche pour faire le défi. Si vous savez quoi. Voilà. Maintenant que j'ai augmenté tronçonner les gros mobs. C'est ça la clé. Puis quand on pourra utiliser ces armes secondaires, alors là on sera les rois du pétrole. Hein. Tiens, on prend une prise de risque. Ah Et bah flûte alors. Je suis encore mort. Ok, donc on est au début du stage parce qu'en fait j'avais commencé D'accord. Ok. J'avais commencé à faire cette vidéo le 2 septembre. Et là on est en mars. Je suis censé censé ne pas mourir, merci. Publier la vidéo ce soir. Enfin, j'aurais déjà dû faire ça hier. J'ai même pas le temps de... Je savais qu'il y avait un secret là. Même pas le temps de réfléchir et tout à comment procéder que je me fais attaquer. Ou qu'est-ce que... L'avais-je pris dans la partie précédente? Mystère. Toi, t'as un point de détail. Alors normalement, on a les, ouais, on a des mancubus là, c'est ça. Ah, j'ai refait le stage
En partie hier, même pas en entier. Par contre, j'ai pas joué en cauchemar. A priori, en cauchemar, bah, ça ne rigole pas, il me semble. Hein. Je suis resté bloqué contre un mur. Et bah petit coup de mou hein. Bon, je vais faire ce que je voulais faire au tout début, que je n'avais pas fait façon lisant. Ouais, je perds du temps à faire ça hein. On va faire un let's play dynamique, être un peu coucouillu. Bien, pensez-vous. Et avec un peu de chance, je pourrais même me faire un mancubus à la tronçonneuse. Allez, on prend directement ça. Je suis trompé de touche. J'ai fait le tiers du stage là, sérieusement. Vous êtes bien gentil. Bam, à bout portant, la grenade, ça ne servait à rien, c'était juste pour le fun. Allez, j'arrête de faire suspense. On va utiliser des leurres, je crois. Faudrait-il exploiter tout ceci à bon escient? Hein? Merci pour la vie. Et le grand mancubus, il va pas nous emmerder bien longtemps.
Et là, normalement, je peux récupérer... je peux aller à l'épreuve runique de tout à l'heure. Ouf. Et bah punaise. Alors pareil, l'épreuve runique... Ouais. Je vais vous montrer le premier essai. Normalement le temps de chargement est plutôt rapide là. Puis ensuite l'essai gagnant parce que je me plante entre... Si je me plante, évidemment. J'ai cru que j'allais pas réussir. Et bah heureusement que je suis pas en live hein, parce que sinon vous serez fait chier. De manette, je reviens. Oh là là, qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce qu'il est chic? C'est bon le casque? Ouais, on m'entend, nickel. Il doit y avoir un truc à faire aussi là-haut. Je suis désolé, je suis en train de planer. Là, je récupère l'énergie argent. Ouais, t'es gentil toi. Ah, j'avais un post-it. Ouais, c'est ça. Je m'en rappelle. Bah désolé, j'ai eu un bug parce qu'en fait il nous manque une arme hein, comme vous voyez ici.
On va la récupérer. C'est cheaté, hein. Hell Alors vous en pensez quoi? Passe bien ou pas? Ah oui. Ah oui 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 c'est ça ouais. Qu'est-ce que c'est galère à enregistrer, c'est l'esprit de tout. Je suis encore mort. Hein. Plusieurs fois. Donc voilà, comme je... On va s'en débarrasser avant. Les âmes perdues, ennemi classique de la série Doom, qui fait son apparition dans ce stage. Un ennemi à l'intelligence artificielle hautement travaillée, puisque il spawn. Essayez de vous foncer dessus. Petit passage de plateforme, on va utiliser nos roquettes dans un premier temps. Je saute. On fait sauter les âmes perdues. Il en reste. Voilà, je me suis pris dans la gueule, j'aurais pu crever. Voilà, il faut me baisser. J'ai pas fait. Parce que j'ai un défi à compléter aussi avec eux, rappelez-vous. Point de passage atteint, voilà. Notre prétor. Je cherche la carte ici. Hop 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 hop. Bah ça devient risible. En fait c'est bien de ce côté là que je dois aller. Je suis mort évidemment en essayant de remplir un défi. Celui-là. Ça me fait une belle jambe.
récupérer un maximum d'items. Parce que là, c'est les âmes perdues qui me foncent dessus, qui me font perdre de la vie, je crois. Célérité, va, ça va m'aider. Revenant en tant qu'ennemi les moins dangereux de Doom 2016, ça serait bête de se faire tuer par eux. Après, ils ont un chara-design qui est quand même bien réussi. Bon, allez, qui n'en veut? Oups, ok. Oups. Comme on dit, qui n'en veut des coups de poing dans les yeux. Allez. Point de passage atteint. Bah voilà, quand on s'en donne les moyens. Alors donc ici, j'ai un secret avec la carte à récupérer. Pire, je vais faire, j'utiliserai la magie du montage, mettre pause, regarder sur internet. Ici. Effectivement, là j'ai raté pas mal d'items normalement. Ça c'est vraiment le l'amélioration d'armes ultime quoi. Et ouais moi je suis là, il y a un truc là, il y a des trucs à récupérer ici. Bon, je vais mettre pause.
Ok, bah moi je suis un bon gogol. Alors. Non, allemand. On va partir d'ici. On redescend, donc là il y avait le... Ça je m'en rappelais. Le Doomguy qui était caché là. Voilà, en plus... La zone est considérée elle-même comme un secret. Et la map, je vous ai dit qu'elle était dans le coin, en fait elle est... Elle est à la vue de tous, hein. Elle est là. Plus qu'à me faire l'épreuve runique, évidemment je vais mettre comme d'habitude. Ah non, c'est pas une épreuve runique. Ah si. Ok, bah j'ai pas envie. Je vais vous montrer le premier à essayer, puis ensuite je vous montrerai l'essai gagnant. Hein. J'ai gagné. J'ai fait n'importe quoi, c'est passé. J'avais plus de munitions. Je pensais tellement pas réussir du premier coup à la fin que je me suis que j'ai commencé à lui mettre des coups de coude. Ça c'est fait. Alors normalement c'est bon. Renforcée par les feux de l'enfer, sa lame demeura ferme dans le passage qui tourmente les faibles. Il était le marcheur des ténèbres, le prédateur déchaîné, à la recherche du châtiment, dans l'ombre et la lumière, dans le feu et la glace, au début et à la fin. Et il pourchassa les esclaves du destin avec la... Ouais, donc c'est bien par là que je veux aller, hein. Si jamais je refuse et que je prends le téléporteur. Ça qui m'intéresse.
ça me ramène ici. Ok, donc là normalement on a un passage assez fun. Je me tends un mur invisible. Comme je disais, on va avoir un passage assez fun. Baron de l'enfer en train de se cartonner avec tout le monde. Évidemment que c'est pas fini. De toute façon, si on a un doute, non. Je disais, ouais, si on a un doute, on a le quad damage qui va nous aider, hein. On va pas se faire prier pour l'utiliser. Ça, ça s'ouvre. Ah, j'ai oublié de vous montrer, on avait un casque, un crâne avec un casque, on va dire vintage, avec le logo de Doom dessus, à l'endroit où je chopais la Gatling. J'ai complètement sous-estimé. Je pense que je vais le détester. Quand on fait des erreurs pareilles, qu'on sous-estime... J'ai failli mourir, j'en avais deux en fait. Du coup, je vous avais parlé du casque Doom que je ne vous ai pas montré dans la vidéo. Là, je vais vous montrer autre chose du coup. J'avais trouvé moi-même lors de ma première partie. C'est qu'on a le fameux casque de Skyrim, et si on a le levier, bah je l'avais pas vu. Avec la petite musique vintage. Avec les marécages du désespoir du coup.
Bah tiens, de me le dire. Deuxième... Je suis bloqué, j'étais à moitié bugué dans la flèche là. Une méga sphère, ça fait toujours du bien. Deuxième niveau du chapitre Inferno hein, de Doom Classic. Bon, on va en finir avec le stage là. On trouve la sortie. Voilà, donc on a la salle principale, là, la porte a dû s'ouvrir. Ou va s'ouvrir. Puis a priori, les prochains collectibles... difficile à rater. N'est-ce pas? Les démons se battent entre eux hein. C'est vraiment un petit clin d'œil. Allez. Phase de plateforme obligatoire. Ça fait jamais plaisir d'affronter des cacodémons. Ouais. Oh bah tiens. Ah, munitions faibles, je suis un con. La Gatling. La Gatling, sauve-moi! Un testament du tueur, un garde d'élite et encore un truc du codex, mais tout ça c'est. J'ai envie de dire sur la route, hein! Après moi, ma. À vouloir trop me focaliser sur la recherche, du genre à négliger les petits ennemis comme ça. Et à me faire tuer. Ouais, c'est ça là, dernier testament du tueur. Ok. Et dans sa conquête des âmes noircies des damnés, il fit montre de prouesse. Dans sa croisade, les anges lui accordèrent puissance et rapidité. Et de toute sa force, il fit chuter.
voilà. Et le codex est au bout. Bon bah voilà, il y aura juste le défi que j'ai pas complété, mais c'est pas grave, on va partir du principe que c'est bon, de toute façon je les compléterai pas dans tous les niveaux les défis. Ah, encore une arène. Quand je pourrais peut-être le faire. Là, je vais le faire ici. J'étais en train de réfléchir. Ensuite, j'arrête de vous bastiner avec cette vidéo. Je pense que vous avez tous dû arrêter entre temps. N'empêche, on nous montre bien la couleur, hein. Avec un tas de munitions juste avant. Je vais attendre avant de prendre le coup de damage. Oh ouais, tiens, la Gatling. Je pense que tout le monde est mûr. Et voir un Hell Knight. Enfin, par contre, l'enfer plutôt. Ah. Allez! Serait-ce la fin? Eh bah, punaise! Ah, je suis désolé, hein, pour.
Ça va être poussif, hein. Même à monter après. Ouais. Ça, c'est évidemment notre sarcophage à nous. Sur ce, merci de m'avoir supporté. Ciao !